Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Je vous souhaite une bonne journée et que vous soyez en bonne santé. Aujourd'hui, c'est le 17-9-2020. C'est la cinquième cours. Nous allons faire une petite révision sur les mots interrogatifs. On va voir maintenant les mots interrogatifs. Premièrement, le mot comment. Comment? Comment? It means how. Par exemple, comment vas-tu à l'école? Je vais à l'école en bus. Donc, comment vas-tu à l'école? Je vais à l'école en bus. Numéro 2. Où? It's mean où? What's mean of où? Where? Donc, je réponds par une classe. Par exemple, où est le ballon? Où est le ballon? Je veux dire le ballon est. Elle est où? Il est où? Sous la table. Under the table. Numéro 3. Combien de? Combien de? Attention, combien de, après combien de, il y a toujours le mot pluriel. Il n'y a pas, il n'y a rien, ça ne va pas qu'on dit combien du, combien des. Combien de, quoi, combien de livres as-tu? Combien de livres as-tu? On va répondre, j'ai 5 livres. Numéro 4, combien coûte? Combien coûte? Quelle est la différence combien de et combien coûte? Combien de, it's how much of. Combien coûte, what's the price of. I'm asking about the price. Par exemple, combien coûte ce journal? Je vais répondre quoi? Il coûte 6 livres égyptiens. Numéro 5. On va dire qui. Qui, qu'est-ce que ça veut dire qui? It's me. Donc, on va l'utiliser avec trois prépositions. À qui, pour qui, avec qui. À qui, pour qui, avec qui. On va voir maintenant. Numéro 5. Qui? It's me now. Donc, je veux répondre par un nom ou un nom. Par exemple, un garçon, une fille, n'importe qui. Nadia est contente. Qui est contente? Donc, Nadia est contente. À qui? À qui? Tout ou? Par exemple, à qui donne-t-il? À qui donne-t-il la fleur? Donc, il donne la fleur à qui? À maman. He give the flowers to his mom. To does he give the flower? It's me en anglais. Pour qui? To. Pour qui achètes-tu ce cadeau? Je réponds, j'achète ce cadeau pour qui? Pour maman. Donc, à qui, pour qui et avec qui, numéro 8. Exemple. Avec qui fais-tu tes devoirs? Donc, je fais mes devoirs avec maman. Donc, avec qui? Avec maman. Numéro 9. Pourquoi? Pourquoi? It means why. Here, with why, I can answer by two words. It's because and to. Because plus cause. Two plus another something. Exemple. Pourquoi es-tu absent aujourd'hui? Parce que j'ai mal au ventre. Parce que j'ai mal au ventre. Pourquoi vas-tu au restaurant? Pour rencontrer mon ami, pour manger. Donc, pourquoi es-tu absent? Il y a une cause. Parce que quoi? J'ai mal au ventre. Pourquoi vas-tu au restaurant? Pourquoi? Why? It means to meet my friends, to eat. I'm going to the restaurants to eat, to meet my friends. OK? Il y a différence entre parce que et pour. Quand? It means when. So, I will answer that time. Quand vas-tu à l'école? Je vais à l'école au matin. Au matin. Mais il y a une grande différence entre quand et à quelle heure. Quand? Le matin, le soir, le midi, comme ça. Mais quelle heure? Twitch o'clock. At which o'clock? La différence entre les deux. Numéro 10, quand? Numéro 11, quel? Il y a deux quels. Quel avec un seul L, masculin. D'accord? Il y a quel avec deux L, E, féminin. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? J'ai 11 ans. I'm asking about the age. How old are you? J'ai 11 ans.
Quelle douzelle féminine? Par exemple, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Par exemple, il est 6 heures. Il est 6 heures. Il est 6 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quelle? Qu'est-ce que ça veut dire quelle? Qu'est-ce que ça veut dire? It's mean which. It's like which is for do you like. Il y a une grande différence entre quelle et que qu'est-ce que. On va voir que qu'est-ce que. There is a big difference between which and what. Which and what. Ok. Mais quelle, comme j'ai dit, quelle avec un seul L masculin, quelle deux L E avec pour le féminin fille, c'est mean what. Mais il y a une différence entre les deux. Que et qu'est-ce que. Que, verbe, sujet. Qu'est-ce que, sujet, verbe. On va voir maintenant. Que manges-tu? Que manges-tu? Que manges-tu? Que, verbe, sujet. Je mange du chocolat. Je mange du chocolat. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Ici, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que tu manges? En haut, numéro 13. Que manges-tu? 14. Qu'est-ce que tu manges? Que manges-tu? Qu'est-ce que tu manges? Que tu manges-tu? Qu'est-ce que tu manges? Je vais répondre ici quoi? Je mange du chocolat. Donc, que, verbe, sujet. Donc, voilà. Que, plus verbe, plus sujet. Mais qu'est-ce que, plus sujet, plus verbe. Donc, les mots interrogatifs où, comment, combien de, combien coûte. Où, comment, combien de, combien coûte. Où, les places. Comment, it means how. Combien de, how much of. Combien coûte, I'm asking about price. Pourquoi, it means why. Qui, que. Qui, it means who. Que, qu'est-ce que, it means what. Quel, it means which. Quand, it means when. Alors, c'est facile. Les prépositions, les propositions. Sur, sous, sur, sous. Sur, il y a sur la table, sous la table. Sur et sous. D'accord? Donc, sur, contre, contre quoi? Sous. Sur, sous, sur, sous, sur, sous. Exemple, avec sur. On va voir maintenant. Le garçon, le crayon est sur la table. Le crayon sur la table. On met le crayon où? Sur la table. Avec sous. Un autre exemple. Mon sac est sous la table. Mon sac est sous la table. Donc, sur, contraire, sous. Sur, sous. Sur, sous. Un autre exemple, sous. Mes bottes sont sous la table. Mes bottes sont sous la table. D'accord? Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Exemple pour devant. Le tableau est devant les élèves. Le tableau est devant les élèves. La télévision est devant moi. La télévision est devant moi. Derrière. Derrière, derrière. On va voir. Exemple. Derrière la classe, il y a un parc. Derrière la classe, il y a un parc. Donc, derrière notre classe, il y a quoi? Parc. D'accord? Dans. Dans, it's mean in. Dans, it's mean in French. Le livre est dans le cartable. Le livre est dans le cartable. Ensuite, chez. Exemple. Je vais chez le docteur. Je suis chez Ali. Après chez, plus personne. Chez, plus personne. D'accord? Ensuite, pour. Pour, it's mean to. It's mean to. Je vais au restaurant pour manger. Je vais au restaurant pour manger. D'accord? Donc, je vais réviser une autre fois. Sur, devant, derrière, voilà. Sur, sous, sur,
sous, sur, sous, devant, derrière, dans, chez, pour, dans, chez, pour. Donc, sur, sous, devant, derrière, dans, chez, pour, dans, chez, sont faciles. Les articles contractés, au, à l'apostrophe et au. Au, plus masculin. Quelle est la différence entre O, à l'apostrophe et O? O, on met après O quoi? Masculin. O, plus masculin. Je vais au club. Je vais au club. À la, plus féminin. À la, plus féminin. Je vais à la maison. Je vais à la maison. Donc, O, plus lettre consonne. À la, plus lettre consonne aussi. Donc, O plus masculin, mais masculin qui commence par lettre consonne. Ala pour féminin, mais qui avec les lettres consonne. Qui commence avec les lettres quoi consonne. Masculin vont prendre O, féminin prendre A. Ala. Mais masculin et féminin qui commence avec les lettres voyelles, on va mettre quoi? A et l'apostrophe. A et l'apostrophe. Donc, je vais à l'école. Je vais à l'école. O avec X plus pluriel. On va voir un autre exemple. Je vais au pyramide à la fin S. Donc je vais au pyramide A et l'apostrophe plus voyelle. A U X plus et quoi plus pluriel. Exercice. Heba écrit A Laïla. A Laïla. Il a mal ventre. Masculin ou féminin? O ventre. Mahaba. Je dis avec personne quoi chez. Elle a mal oreille. À l'oreille. À l'oreille. Ahmed a mal à quoi? Ou à la tête. Pourquoi tête féminine? Donc, les prépositions, je vais faire juste révision. Sur, sous, devant, derrière. Dans, it's mean in. Chez, plus personne. Être, et tout. Or tout. Pour, it's mean to, a, o, à l'apostrophe, ou avec x. Mais o, à l'apostrophe et o, ils sont des articles contractés, comme j'ai dit. Arrange les phrases suivantes. Zou, ali, o, va. Donc, ali, va, o, zou. Sujet, verbe, préposition ou contracté, place. A, pas, choix, mon, un apostrophe 2. Donc, où est le sujet mon? Donc, il y a la négation. Donc, je vais mettre quoi? Ne, verbe pas, un apostrophe. Où est le verbe? A, plus pas, ensuite, deux chats. D'accord? Un apostrophe. M, hirondelle, fruit, les. Donc, l'hirondelle, un apostrophe, hirondelle. M quoi? Les fruits. Numéro 4. Pas, la, ne, mord pas. Poule. Donc, la, poule, quoi, ne, verbe mord pas. Fais une phrase avec chaque groupe de mots. Hani, o, va, zou. Donc, hani, va, o, zou. Hani, verbe, préposition ou contracté. Lily de n'a pas chat. Donc Lily, sujet. Verbe. Voilà. N'a pas de chat. 3. Mange ENT. Les souris, les chats. Donc je vais créer quoi? Les chats. Quoi? Mange ENT. Les souris. Numéro 4. Dans le lion, sa cage est. Le lion. Et dans sa cage. Sujet, verbe, préposition. Après la préposition, on met le mot. Au zoo, des cahiers, il y a. Des chiens, pardon. Au zoo, des chiens, il y a. Donc, au zoo, des chiens, il y a. On va mettre quoi? Il y a des chiens au zoo. Verbe venir. It's mean come. D'accord? It's mean like to go. Venir. Venir. It's mean come.
Bat. Allez, smi go. D'accord? Je viens. S. Tu viens. S. Il, elle vient. T. Je viens. S. Tu viens. S. Il, elle vient. T. Nous veut. Non. Nous veut. Non. Donc, ici, irrégulier. C'est vers le troisième groupe. Les verbes troisième groupe, du troisième groupe, quoi? Ils sont quoi? Irréguliers. Donc, je viens. Est-ce tu viens? Est-ce il elle vient? T. Je viens. Est-ce tu viens? Est-ce il elle vient? T. Je retourne à le verbe quoi? Son radical. Radical quoi? Ven. Et je barre ou supprime le R. Nous venons. Vous venez. Z. Il elle vient. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vienne. De Z-E-N-T. Fais attention. Bien. De Z-E-N-T. Donc, je viens, est-ce tu viens, est-ce il vient, t'es. Nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Je viens, est-ce tu viens, est-ce il vient, t'es. Nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Verbe faire. Verbe do. Je fais S, tu fais S, il, elle fait, t'es. Je fais S, tu fais S, il, elle fait, t'es. Nous faisons. Nous faisons. Je mets S avant le ONS. Nous faisons. Vous faites, vous faites, vous faites. Nous faisons, vous faites, ils, elles font. Nous faisons, vous faites, ils, elles font. Je fais S, tu fais S, il, elle fait T. Nous faisons, vous faites, ils, elles font. Nous faisons, vous faites, ils, elles font. C'est facile. Choisis la bonne réponse. Je, point, le devoir. Je fais quoi? S, juste. Il, point, il, vient. Qu'elle vient? Vient à la fin quoi? T, bravo, il vient. Nous prenons quoi au NS, donc nous faisons. À 7 heures, je au club. Je viens à la fin, S. Vous venez au, à la fin, Z. Donc, j'ai fini aujourd'hui la leçon. Si vous avez n'importe quelle question, mes élèves, vous pouvez m'envoyer la question à WhatsApp ou à n'importe où. Bonne chance, mes élèves.